Salut à tous, ben ça y est, on est parti pour le concours complet d'équitation Asine chez les Ânes Victoires. Donc là on est au début de la route, on a le vent derrière nous avec Cacahuète. Là c'est mon mari, derrière il y a même Mimine. Salut à tous, hier j'ai pas filmé notre arrivée au COCEA. Mais là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe chez les Ânes Victoires. Donc bon, c'est vrai que hier pour le coup, quand on est arrivé, ce qu'on a fait, on s'est installé tout ça, on a fait la rencontre des super filles Ânes Victoires, de toute l'organisation. Donc voilà, donc en fait elles ont super bien organisé leur truc. Donc on arrive par là, et là directement on avait le parking. Donc le parking est super bien rempli. Et là-bas au fond vous allez voir les petits paddocks avec ma petite Cacahuète qui m'attend et qui n'arrête pas de brennir. Donc j'espère qu'elle n'a pas réveillé les filles. Là j'approche de la carrière de dressage. Donc en fait elles ont fait vraiment trois carrières, la partie dressage, la partie cross et la partie obstacle là-bas au fond. Donc le cross ça se déroule dans la forêt et l'obstacle là-bas sur la droite. Donc hier on a fait la petite reconnaissance. Ce qui est super c'est qu'en plus elle nous permet de le faire avec notre âne. Donc ben, l'âne s'habitue tout de suite aux obstacles qu'il n'a pas vus, on voit s'il y a des difficultés, on peut les travailler. Donc c'est vraiment super bien fait pour nos ânes. Salut ma Cacahuète, alors t'as bien dormi? Il paraît que tous tes copains ils ont tout cassé à cause des feux d'artifice. Bon bah ça va, elle est tranquille apparemment, elle s'est pas échappée, elle est restée dans son paddock. Donc je suis assez fière d'elle et de son comportement depuis qu'elle est ici. Elle est vraiment exemplaire. Et là-bas il y a ses petits copains, donc il y a sa petite concurrente directe, la Choupette et puis les deux ânes au fond. T'as vu? C'est qui en... Bravo Clémence, parce que... On arrive à la récupérer.
Du coup, le deuxième prix de la LO2 de Montée, Emeline et Navarro. Bravo, Emeline. Je suis disqualifiée, non? Et du coup, non, mais c'est la vainqueur de la LO2 de Montée, Anne Grévoy. Donc voilà, l'épreuve est finie, on est sur le chemin du retour, c'était vraiment super super cool. Pour faire un petit bilan, je suis vraiment contente parce que déjà toute l'organisation était sympa, les filles étaient sympas, il y avait une super ambiance, tout le monde était gentil, tout le monde s'entendait bien, les animaux étaient bien, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de catastrophe. Et puis, Cacahuète a fait première de sa catégorie, donc je suis trop fière d'elle. Et en plus de ça, elle a vraiment pas eu peur ni des applaudissements, ni de rien du tout. Donc, le petit bilan de ces mois que j'ai fait de travail avec elle, c'est vraiment un bon bilan. En plus, les filles ont pas arrêté de dire qu'elle était super jolie et tout. Donc, j'étais encore plus contente d'avoir des super compliments. Donc voilà, je recommande vraiment cette expérience et puis j'espère que ça va donner envie à plein d'autres gens de faire ce concours parce que c'est des super filles et puis vraiment elles se donnent à fond pour essayer de faire connaître le monde de l'âne qui est un super monde et puis je vous encourage à y aller et j'espère qu'on vous y verra pour les prochaines éditions. Et merci, à plus.